Salut les copains, moi c'est Jasmin. J'adore voyager dans le monde entier à la rencontre de mes amis les animaux. Tu viens avec moi? C'est parti! Oh, j'ai reçu une carte. C'est Ming, mon ami le panda. Il veut que je l'aide à construire une cabane. Direction la Chine, en Asie. C'est là que vivent les pandas, dans les forêts de bambou. Allez, c'est parti! Ming? 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 Je ne vois pas Ming. Tu le vois, toi? Oh, oh, mais tu es là! Comment? Je n'ai pas compris. Pardon. Bonjour, Jasmin. Tu es encore à table? Je suis toujours à table. Nous, les pandas, passons toute la journée à manger et mastiquer du bambou. Ah oui? Tu dois adorer ça. À vrai dire, pas vraiment. Nous, les pandas, mangeons de tout. Mais comme nous vivons au milieu des bambous, c'est très pratique pour nous d'en manger. Pas besoin de trop se fatiguer. D'ailleurs, tu peux me passer celui-là? Mais il est juste là. Tu n'as qu'à te pencher pour l'attraper. Bon, tiens. Merci, Jasmin. C'est top. Elles sont bizarres, tes pattes. Elles ne sont pas comme les miennes. C'est parce que j'ai des pouces. Je suis l'un des rares animaux à en avoir. C'est très pratique pour attraper du bambou. Ah, ça c'est sûr. Alors, pourquoi tu as besoin de cette cabane? Nous, les pandas, nous dormons dans les arbres. Mais moi, je trouve que ça ne me protège pas assez de la pluie. D'ici quelques jours en Chine, il va beaucoup pleuvoir. C'est ce qu'on appelle la mousson. Ah oui, je comprends. Je vais t'aider. Mettons-nous tout de suite au travail. J'adore ma nouvelle cabane. Merci, Jasmin. Oh, ça y est, il pleut. Vite, mets-toi à l'abri. Moi, je rentre. Au revoir, Ming. Au revoir, Jasmin. Chouette, du courrier. Ah, la cabane a tenu le coup. Mais elle est toute grignotée. Quel gourmand. Salut les copains! Aujourd'hui, on va rencontrer... Ming! Salut Ming! C'est Ming le panda qui est vraiment trop chou. Il se fatigue pas au milieu des bambous. Il utilise ses pouces, tout va dans sa bouche. Tout, 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 Ming! Tout, 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 Ming! Salut les copains, moi c'est Jasmin. J'adore voyager dans le monde entier à la rencontre de mes amis les animaux. Tu viens avec moi? C'est parti! Oh chouette, du courrier! C'est une lettre de mon ami Charlie le renard. Il m'invite à lui rendre visite dans la forêt où il vit. Les renards vivent en Europe et en Amérique du Nord. Lui, Charlie, vit à l'ouest des États-Unis. Alors c'est parti! Ça y est, Charlie, je suis là! Charlie? Charlie! Mais je ne vois pas Charlie. Tu le vois, toi? Aïe! Oh, tu es là! Salut, Jasmin! Qu'est-ce que tu faisais? Nous, les renards, ne grimpons pas aux arbres. Mais il y a quelque chose sur cette branche que j'essaye de récupérer. Tu veux bien m'aider? Mais bien sûr! Et au fait, c'est quoi ce que tu veux récupérer? Rien du tout. Ne t'inquiète pas, j'ai bientôt fini. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Waouh, elle est super belle ta fourrure. Elle a l'air douce. Oh, merci Jasmin. Elle me tient très chaud et l'hiver, quand il fait trop froid, je me réfugie dans mon terrier. Tu vis dans un terrier?
Oui, c'est ma maison. Mais dis donc, qu'est-ce que tu caches? Oh, tu as volé les œufs. C'est parce que nous, les renards, nous aimons beaucoup les œufs. Ces œufs ne sont pas à toi. Non, mais ils étaient abandonnés. Abandonnés? Oh. Tu vois, ils ne sont pas abandonnés du tout. Il y a bien d'autres choses que tu aimes manger, non? Oui, nous les renards, nous adorons les baies. Et le poisson aussi. Super, allons cueillir des baies alors. Je n'en vois pas du tout. Par là, il y a plein de framboises. Ah bon? Comment tu le sais? Eh bien, nous les renards, nous avons un très bon odorat et une très bonne vue, même dans le noir. Waouh! Tu es trop fort! Il y en a vraiment beaucoup! Oh. Tu ne les manges pas? Pas tout de suite. Je vais les cacher pour les manger plus tard. Je fais des réserves à plein d'endroits différents pour ne jamais manquer de nourriture. C'est une habitude de renard. Je vois! Je vais rentrer maintenant. J'ai super bien mangé. D'accord. Au revoir, Jasmin. Au revoir, Charlie. Chouette du courrier! Oui. Des nouvelles de mon ami Charlie. Il a vraiment fait beaucoup de réserves dans sa cachette. J'espère que tout est à lui. Salut les copains! Aujourd'hui, on va rencontrer Charlie! Salut Charlie! Charlie le renard a le museau tout pointu. Il est très rusé, pour ça il est bien connu. Avec ses poils roux, il est vraiment très doux. Oui, mais c'est un filou, ce Charlie le renard. Tout, 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 tout. Charlie le renard s'occupe bien de ses petits. Dans son beau terrier, ils sont tous vraiment ravis. Si vous l'ennuyez, il peut vous gronder, mais jamais vous griffer. C'est Charlie le renard. Charlie! Salut les copains, moi c'est Jasmin. J'adore voyager dans le monde entier à la rencontre de mes amis les animaux. Tu viens avec moi? C'est parti! Chouette du courrier! Ce sont des nouvelles de mon amie Tina Lorraine. Elle m'invite à venir faire une bataille de boules de neige. Super, j'ai hâte! Les rennes vivent dans plusieurs pays du Nord, mais Tina, elle, habite en Laponie. C'est une région au nord de la Finlande, en Europe. C'est parti! Il fait froid ici. Je suis arrivée, Tina! Tina? Tina! Je me demande où est Tina. Tu la vois, toi? Oh, mais... Mince, raté. Salut Tina, il fait super froid ici. Oui, c'est l'hiver presque toute l'année en Laponie. Mais nous les rennes n'avons pas froid grâce à notre fourrure très épaisse. Ah. Alors j'imagine que ça ne te dérange pas d'avoir un peu de neige sur toi. Oh non, c'est difficile de courir dans la neige. Pourquoi tu ne t'enfonces pas toi? Oh. C'est grâce à mes sabots fendus. Aucun souci pour nous les rennes. C'est très pratique. Tu vois, je ne m'enfonce pas. Bah, pourquoi tu es tombée? Marcher sur la glace, par contre, c'est pas ma spécialité. Mais dis-moi, c'est quoi sur ta tête? Ce sont mes bois. Tes bois? Oui, c'est un truc de renne. C'est comme des cornes, mais c'est tout doux. Tu veux toucher? Oh, c'est vrai, c'est tout doux. Oh non, j'ai cassé ton bois. Mais non, une fois par an, il tombe. C'est tout à fait normal. Il va repousser? Mais oui, Jasmin, ne t'en fais pas pour ça. Oh, tous ces jeux m'ont creusé l'appétit. C'est vrai, moi aussi. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu manges? Nous mangeons de l'écorce sur les arbres et des feuilles aussi. Mais ce que je préfère, c'est le lichen. Le quoi? Du lichen. C'est un peu comme une plante et un peu comme un champignon. Ça recouvre les arbres et les rochers. Oh, je vois. Bon, je vais te laisser. C'était trop rigolo de jouer avec toi, Tina. Au revoir. Au revoir, Jasmin. À bientôt.
Chouette, du courrier. Des nouvelles de Tina. Oh, elle a perdu ses deux bois finalement. Heureusement que ça repousse vite. Salut les copains. Aujourd'hui, on va rencontrer Tina. Salut Tina. Tina, c'est le renne qui vit en Laponie. Marcher dans la neige, ça n'est pas un souci. Tina, c'est la glace. Le renne, c'est la glace. Tina, c'est le renne qui a des bois tout doux. Elle mange des lichens qu'elle trouve sur les cailloux. Salut les copains, moi c'est Jasmin. J'adore voyager dans le monde entier à la rencontre de mes amis les animaux. Tu viens avec moi? C'est parti! Chouette, du courrier! Ce sont des nouvelles de mes amis Maria et Paula les tortues. Elles me demandent de venir être l'arbitre pour faire la course. Allons voir ça. On peut trouver des tortues partout dans le monde. Maria et Paula habitent en Équateur. C'est un pays d'Amérique du Sud. C'est parti! Je suis arrivée. Il fait très chaud ici. Maria? Paula? Je me demande où elles sont. Tu les vois, toi? Bonjour, Jasmin. Oh, Paula, tu es là. Mais où est Maria? Ici, Jasmin. Bonjour. Bonjour, Maria. Vous n'étiez pas ensemble? Non, parce que je vis dans la mer. Et moi, je vis sur la terre. Ah, je comprends. Nous voulons savoir qui est la meilleure tortue entre nous deux et nous avons besoin de toi pour nous départager. Nous allons faire la course et ainsi nous serons fixés. Bon, à vos marques, prêtes, portez! Oh là là, ça va être super long. Tout le monde sait que je suis plus rapide avec mes pattes. C'est vrai que Paula avance bizarrement avec ses pattes. Ce ne sont pas des pattes, ce sont des nageoires. Grâce à elles, je nage très vite dans l'eau. Je ne suis pas faite pour être sur terre, c'est tout. Être une tortue de terre, c'est super bien pour prendre le soleil, par exemple. Ah oui? Oui, nous les tortues sommes des reptiles. Nous utilisons le soleil pour nous réchauffer quand on a froid. Ou la mer pour nous rafraîchir quand on a chaud. Vous voyez, vous avez un point commun. Vous êtes des reptiles toutes les deux. Vous avez un autre point commun avec cette coquille sur votre dos. C'est ma carapace. Toutes les tortues en ont. Je peux me cacher dedans quand je sens un danger. Moi aussi, c'est ma carapace. Mais avec sa forme plate, je vais encore plus vite dans l'eau. Ah, c'est pratique. D'ailleurs, qu'est-ce que mangent les tortues de mer, Paula? Un peu de tout. Des poissons, des coquillages, des plantes. Ah oui? Moi aussi, j'adore les plantes. Mais nous, les tortues de terre, nous mangeons plutôt des fruits. Ça a l'air très bon. Tu me feras goûter? Oui, avec plaisir. Oh, je n'ai plus envie de faire la course, finalement. Oh, moi non plus. C'est vrai que nous sommes différentes, mais il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Jasmin? Jasmin? Quoi? Oh, alors qui a gagné la course? Nous avons gagné toutes les deux. C'est trop bien. Je vais vous laisser maintenant. C'était une bonne sieste. Une bonne journée avec vous. Au revoir. Au revoir, Jasmin. À bientôt. Du courrier. Des nouvelles de Paula et Maria. On dirait qu'elles sont les meilleures amies du monde maintenant. Salut les copains! Aujourd'hui, on va rencontrer Paula et Maria! Salut Paula et Maria! Paula et Maria, les tortues, n'ont pas le même vécu, mais elles vivent au même tempo. Paula et Maria, les tortues, elles sont un peu têtues.
Salut les copains, moi c'est Jasmin. J'adore voyager dans le monde entier à la rencontre de mes amis les animaux. Tu viens avec moi? C'est parti! Chouette, du courrier. Ah, c'est mon ami Carlos le perroquet. Oh, il me dit qu'il a un souci, mais qu'il n'ose pas m'en parler dans sa lettre. Les perroquets vivent dans les pays chauds et Carlos, lui, habite en Amérique du Sud, au Brésil, au cœur de la forêt amazonienne. Allez, c'est parti. Carlos, où es-tu? Carlos, où es-tu? Carlos? Carlos? J'entends Carlos, mais je ne le vois pas. Et toi, tu le vois? Et toi, tu le vois? Oh, bon, allez, Carlos, montre-toi. Bonjour, Jasmin. Salut Carlos, c'est super chouette chez toi. Merci, en haut des arbres, c'est l'endroit idéal pour dormir. En plus, j'y trouve plein de baies et de fruits pour me nourrir. Tu en as de la chance. Tu en as de la chance. Hé, pourquoi tu répètes tout ce que je dis depuis tout à l'heure? C'est plus fort que moi. Nous les perroquets sommes très doués en imitation. Ah bon? Ça veut dire que tu peux faire la vache? Je suis le seul oiseau à pouvoir imiter les animaux différents de moi. Comment vas-tu? Tu avais l'air inquiet dans ta lettre. Eh bien, en fait, personne n'aime ma manière de danser. Et pourquoi ça t'inquiète? Et pourquoi ça t'inquiète? Oh, pardon. Nous les perroquets, c'est comme ça que nous trouvons une amoureuse. Ah, je comprends maintenant. Je suis sûre que tu te débrouilles très bien. Vas-y, montre-moi. Bon, si tu insistes. Mais tu danses très bien, tu es juste timide. Je vais danser avec toi, j'adore danser. Vas-y Carlos, ouvre grand les ailes. Voilà, comme ça. Oh non, elle va se moquer de moi. Non, continue, tu danses de mieux en mieux. Je peux danser avec vous? Oui, bien sûr. Super Carlos, tu vois, c'est pas compliqué, tu y arrives très bien maintenant. Bon, allez, je vais rentrer chez moi. Oh, merci beaucoup, Jasmin. Grâce à tes conseils, je suis devenue un super danseur. À bientôt, Carlos. À bientôt, Carlos. Chouette, du courrier. Des nouvelles de Carlos. Oh, et sa copine. Oh, ils sont vraiment mignons. Il a l'air d'aller beaucoup mieux maintenant. Peut-être même qu'il va donner des cours de danse. Aujourd'hui, on va rencontrer Carlos. Salut Carlos.